garçons qui sont très bien les uns et les autres, dont tous les parents leur faisaient entière confiance. Mais voilà ce qui peut, je dirais, arriver lorsque on se sent jeune et qu'on se sent intouchable et que les tragédies ne peuvent arriver qu'aux autres. Ça n'édulcore pas, pour autant, je dirais, les initiatives personnelles qu'il a prises. Et c'est pour ça qu'il est jugé aujourd'hui. Le ministère public, dans ses réquisitions, comme vous l'indiquez, a très clairement exprimé qu'on ne voulait pas entendre parler des faits de groupe qui a pour conséquence un petit peu de vouloir diluer les responsabilités des uns et des autres. Ce n'est pas le groupe qui a fait les crimes, ce n'est pas le groupe qui a conduit le véhicule, ce n'est pas non plus un accident en sens du terme. En sens du terme, parce qu'un accident est un élément fortuit, un événement fortuit qui se produit de manière aléatoire. Et là, malheureusement, dans ce dossier, on avait beaucoup trop d'ingrédients et de facteurs qui faisaient que les circonstances tragiques ne pouvaient malheureusement qu'arriver. Donner son impression sur des jugements à la sortie d'un tribunal, c'est toujours très compliqué. Évidemment que pour le prévenu, c'est une décision qui vient, si on peut appeler ça convenir, parce que c'est toujours très délicat. Ce sont des dossiers particulièrement compliqués. Ce qui m'a semblé le plus important, c'est le caractère humain qui ressort de ce dossier, parce que c'est très compliqué pour toutes les parties. Et de souligner qu'effectivement, ce genre de drame doit nous arriver. On doit rester prudent. Et que, effectivement, on a besoin des parents d'un encadrement pour pouvoir aller de l'avant.